Donc on vient de se lever. On va d'abord tout virer, toutes les choses qu'on a faites. Et on va repartir aux fourmis rouges. On va repartir aux fourmis rouges. Non, pas aux rouges, aux noirs. Fourmis noires. Enfin, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Donc on a pas mal de trucs qu'on a fait. On a ça. J'ai mis des nouveaux coffres aussi. Donc là on a du soin. Parce que j'en avais fait un peu trop. Je pense que deux, ça suffit. Et maintenant j'ai dissocié les armures des armes, tout simplement. Voilà. Donc on a ça. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. On a tout notre équipement qui est en bon état. On a du soin. On a de la boisson, de la nourriture. Et il y a aussi de la viande qui est dehors à prendre. Poing, poing, poing. Poing. That was refreshing. Donc, on va tout simplement partir. On va faire bien nourrir, repas, endurance, combat. On va Ciao, d'abord Dave. manger ça. Faut les mettre en raccourci. Je vais prendre la rapière. Un peu, pour changer. Je vais prendre la rapière. Donc, on est bon. On va partir. Je sais plus exactement par où on passe. Ah! Oh, j'ai failli oublier le plus important. Je crois que c'était 12 fils. Il faut pour faire le. Je sais plus, je sais pas si on peut le voir là. Genre la tyrolienne là. Est-ce qu'on peut le voir? Non, non, c'est pas la même. C'est une spéciale en fait. Mais je crois que pour le cap, c'était 12. Hein. Fil de soie là. Je crois qu'on a ça. Nous. Au pire, si jamais c'est pas ça, c'est pas grave. C'est pas grave, on veut juste. On va en prendre 20. Voilà, on a un stack comme ça. Allez, c'est parti! Mais je crois bien que c'était 12. Hein. J'ai mis mes mutations. Mutations, on a l'œil de lynx. On a la célérité aussi. Et on a quoi d'autre? La vie. Et on peut voir que la vie, elle est bien augmentée. La vie, quoi, on est niveau 1 ou 2, je crois. Plus la mutation. C'est pas mal, hein. C'est pas mal comme ça. C'est vraiment pas mal. Faire attention aux grosses trucs. Très très bien. Faut passer les punaises et on est bon. Tiens, j'aurais dû prendre ma clé à molette là. Pour voir si on peut réparer le mixeur. Si ça marche comme ça ou pas. Alors on va passer par là pour esquiver les bestioles. Ça va. Honnêtement, on court très vite et tout. Avec ça. C'est pas vraiment très très difficile. Ouais, préparation. Ça, pour la prochaine fois, je ferai des défenses. Ah, moustique. Ah mais attends, je passe pas par le bon chemin. Il faudrait en fait couper sur la gauche. Bon, à la limite, on peut se balader un peu. Par contre, je vais juste changer d'équipement. Ben voilà. Ah, tu la kiffes la dague? Qu'est-ce qu'elle est bien la dague? Ça me rappelle un autre jeu. La façon dont on a de
prendre l'arc et de tirer. Et le bruit, ça me rappelle un autre jeu, je sais pas quoi, et ça me... Ça fait un petit moment que ça me travaille l'esprit. La façon de bander l'arc, la façon de tirer, la façon de changer, le bruit surtout de tirer. Ça me dit quelque chose. C'est le bouclier qui a vraiment pris par contre. Ça me dit quelque chose. Je sais pas. Bon, ça fait un peu chier là, le bouclier, il a pris énormément. On va devoir trouver... Pour le réparer, il faut au moins 4 morceaux de fourmi noir, donc c'est un peu relou. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est des larves qui sont dans le sol, je suis sûr, certain. Certains, c'est des larves. Y'a quoi là? Ah, y'a une dent. Mais est-ce qu'il y a qu'une dent? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? On a bien fait de passer par là. On peut voir. Marteau. C'est pas quelque chose dans l'eau. J'ai aussi à un moment je voulais enlever ma dague parce que c'est vrai que pour la réparer, je l'ai réparée en plus hein. Mais pour la réparer il faut du poison. Bon, le seul moyen de trouver du poison pour le moment qu'on connaît, c'est la loup hein, c'est combattre la loup. Honnêtement, c'est pas le plus fun de faire ça. Putain, c'est une nombre d'une abeille. Bon, après... Ah, c'est pas extrêmement dur. En fait, il faudrait juste que j'en bloque une, comme on fait d'habitude. Et honnêtement, c'est pas très compliqué. Puis elle se bloque... Honnêtement, elle se bloque très facilement. Donc, à distance, on devrait pas avoir de problème. Pourquoi le gnome est envoyé à détention? Il a oublié son gnome. Wow, pas mal. Pas mal la blague. Mais du coup, ça nous permet aussi de taper des trucs aquatiques. En fait. Donc c'est bien. Donc c'est pour ça que je garde la dague. Là, je le sens pas très bien. Vers cours supérieur. Du pollen qui tombe. Ouais, alors ça, c'est pas un nid de fourmis. Hein. Ça, c'est pas un nid de fourmis. Hein. J'aurais dû peut-être prendre la pierre en bas, là. Par acquis de conscience. Même si ça nous fait pas grand-chose pour le moment. Ça se passe vachement bien avec notre équipement, honnêtement. Genre là, on est... Ouais, bah, je fais le roleplay ranger, quoi, honnêtement. On peut passer par là. Oh, il y a un truc à casser, encore. Ah, ça doit être un raccourci, mais il faut une bombe. Je pense. Ou j'en sais rien, il y a de la... Faut le cacher.
on est bon. It's no women crime, but it's better than nothing. Alors, gaffe aux moustiques, s'il y en a d'autres. Ouais, notre bouclier est un problème. Il nous faut plein de fourmis. Ah, la cour supérieure. Il nous faut une bombe, du coup, pour la cour supérieure, je dirais. Peut-être que comme ça, hein, qu'on peut y arriver. Ou alors, bien sûr, construction. Eh, fourmis rouges, tu peux me dire où il y a des fourmis rouges... noires, pardon. Ah, par contre, on va mettre la mutation fourmi. Voilà. Comme ça. Parce que là, on est dans le périmètre des fourmis. Perdu. Je sais que quand elle se plante, elle reste plantée. Du coup, elle tombe pas. Mais au bout d'un moment, elle tombe. Ouais. Là, ce que je voudrais, c'est vraiment récupérer des fourmis noires dès le début. Au moins des morceaux, comme ça. Comme ça, on peut réparer le bouclier si jamais il casse. En tout cas, il a l'air de bien résister, hein. Je suis content, j'aime beaucoup. Ok, on a l'air d'être tranquille. Nickel. C'est bien, on est déjà plein, c'est cool. Just like a fruit pounder. Pas très rassuré. Science. Science is surprisingly awesome. Non, ça va. Ça va, pas besoin de paniquer, ça va. Tout va bien, toi ça a l'air. Y'a pas des plus de trucs cachés. Non. Par contre on va équiper les chaussures. C'est quand même trop chiant de pas les avoir. On se déplace. Les distances sont grandes. Oh ok, pas de ce côté. Je savais bien qu'à un moment on allait tomber sur un coin, mais je me rappelais plus exactement où. Par contre, faut faire gaffe parce qu'il y avait une punaise. Je crois que... Non. Et... C'est un peu compliqué ici. Je sens qu'elle va me voir avant que je la voie. Ok, on arrive dans un endroit que je connais. Nickel, notre petit campement. Oh, c'est vrai qu'on avait laissé des flèches, ça tue. On peut mettre des pierres. Ça, on peut mettre ça, on garde. On peut faire cuire le machin. Ah, je l'aime bien notre petit campement, il est cool. Hein. Il est vraiment, vraiment cool. On va mettre le pollen, pourquoi pas. Ok, parfait. Donc, fourmis. C'est les larves qui font ce bruit-là quand elles sont sous terre. Il y a plein d'argile aussi. Ah, on pourrait combattre le...
Ouais, il est là. On pourrait le combattre, ça. Ça, on sait comment faire. On sait comment faire. Donc, je dirais pas non. Ça nous permettrait de récupérer... Peut-être qu'on récupérait une autre partie, là, qu'on n'a pas. Tastes good. Ouais, je dirais pas non. Oh, oh. Je sais pas comment trop le combattre, en fait. Parce qu'il a l'air de faire des putains de sauts de fou. Je fasse gaffe que je peux pas bloquer avec l'arbalète. Non, non, si ça marche. Non, c'est qu'avec l'arc que je récupère de l'endurance. Mais l'arbalète fait beaucoup plus mal. Donc. Ça nous évite de tirer 30-50 milliards de fois. Voilà, ça va revenir. Pas vraiment la plus la façon la plus rapide, hein, mais... C'est la façon la plus simple. Dû s'attendre que mon endurance revienne. Je sais pas. Il nous faudrait un truc. Genre une mutation, je sais pas si ça existe encore une fois, je suis pas allé vérifier ou quoi que ce soit. Une mutation pour augmenter les dégâts à distance. À part bloquer les gens là, avec l'œil de lynx, apparemment des fois on peut bloquer les gens avec l'arc. Enfin non, quand on tire, donc l'arbalète ça doit marcher aussi. À part ça, je sais pas si ça existe. Des trucs à distance. Ça serait vraiment bien. Genre juste des dégâts en plus, ou alors qui rajoutent des effets, j'en sais pas. On a le set de l'abeille qui est censé ralentir avec le pollen, mais ça a pas l'air d'être très bien. Ça va? Vous faites pas trop chier niveau combat ou quoi? Ah désolé, hein. Ça me rappelle Elden Ring, il y avait des gens qui... Parce que je me préparais toujours, enfin je me surprépare à chaque fois dans les... Dans les souls en général, mais ça paye énormément. Et j'avais des arcs et des flèches et tout ça. Et les gens ils disaient waouh, putain, j'ai passé un mauvais quart d'heure ici, moi j'arrivais à rien faire, j'arrivais pas à avancer, toi t'arrives facilement. Bah ouais, j'avais pris un arc, des flèches, je m'étais préparé quoi. Parce que dans les souls, je crois que c'est un truc qui arrive extrêmement souvent, c'est. C'est prenez des armes à distance. Quoi. C'est tellement utile. Parfait. On a perdu une seule flèche en fait. Et du coup, on a eu ça. Ah, donc lui aussi le donne. Saleté résistante. Du mucus solide et élastique que l'on peut trouver que sur des créatures résistantes dans le jardin du haut. Ah, donc c'est des trucs de niveau 3, en fait. Bah oui, c'est violet, le contour, je crois. Enfin, non, non, c'est par rapport à mon... Rub time. J'ai rien dit. Black Hand, what's your business? Par à ma couleur. Mais c'est lui qui donne ça. Donc, il donnerait 3 objets, parce qu'il y a encore un objet qui nous manque. Il nous manque la carapace du cloporte. Parce que nous, on a des morceaux, il nous manque la carapace. Putain, c'est la merde. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Reviens. Ah oui, c'est vrai, la pomme. C'est vrai que la pomme. Qu'elle a été sonnée.
Nickel. Deux morceaux. J'ai pas très très bien joué. Je me suis fait toucher en plus comme un débile. J'ai l'impression que les dégâts ils sont... Que prend l'armure, hein, je parle. J'ai l'impression qu'ils sont... comment dire? Ah putain, j'ai plus le mot en tête. Situé sur les parties dont où on a pris les dégâts en fait. Genre elle m'a tapé pendant que je crois que je sautais, donc elle m'a touché les jambes et c'est les jambes qu'on prit. Si on regarde, je sais pas. Là il y a l'araignée, ça fait un peu chier. La pomme pour le moment on va la laisser parce que je sais pas si les fourmis elles. Attends, il est où mon camp? Là. Je sais pas si les fourmis en fait vont pas arrêter de venir si on détruit le camp. Putain, qu'est-ce que j'en ai si on détruit la pomme? Merde. Putain, j'en ai marre de me gourer de mots quand je me concentre. Ah, je vais y arriver. Donc ça, pour le moment, on laisse ça là. Les fourmis. Ça aussi, ça aussi. Ça, c'est des trucs à prendre à tout prix. Le reste, pour le moment, on n'en a pas besoin. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dormir et je pense qu'on va monter et essayer de faire la tyrolienne, je pense. Et si c'est trop chaud, on se casse, évidemment. J'ai pas envie de perdre mon équipement quand même. Ça me ferait vraiment chier si on perd notre équipement. Par contre, je voudrais bien... Du coup, trouver... je vais y arriver. Trouver le nid des fourmis noires. On t'énerve bientôt. C'est 4 morceaux, je crois, pour réparer. Ça va. 4 morceaux, allez, c'est 2 fourmis, c'est bon. Faut qu'on mange les repas aussi. Allez, presque. Donc ça, c'est les choses à tout prix à prendre. Le pollen, bof, pas vraiment. Je sais pas pourquoi le pollen, il y a dégâts et étourdissements. Ça, le moustique, on en a à côté de chez nous. Et les pierres, j'en sais rien si c'est utile ou pas. Pour le moment... Ce sera pour plus tard. Faut sûrement récupérer des pierres pour en crafter d'autres, en fait. Je suis sûr que ça marche comme ça, mais on n'a pas le matériel, en fait. Genre, je sais pas, une fournaise ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Je sais pas comment ça marche. Et j'ai pas envie de me spoiler. Donc j'apprends sur le tas. Alors, repas. Give me a plate of this. Sinon ils vont pourrir. Allez, on y va. C'est peut-être un peu beaucoup sans flèches, non? On va peut-être en déposer quelques-unes. Si je... Il faut les abandonner, les flèches, ça fait quand même vraiment con de les abandonner. Voilà, 3 stacks de flèches, ça fait... C'est déjà bien. Alors, nous... Nice and safe. Hop. Nyon. Donc, on rejoint notre Stairway to Heaven. Ah, bonjour.
Ah la putain. Encore une autre au fond. Faut... Pourquoi j'arrête pas de me faire toucher comme un débile? Ouh, une autre là. Oh la vache. Qui l'a fait fuir. Ça baisse sa vie petit à petit. Il y a l'abeille qui se bat. Je sais pas avec quoi. Non, non, c'est l'abeille qui est complètement conne. Ah ouais, complètement demeurée. Il y a eu une mise à jour. Bon, je sais qu'ils ont fixé quelques petits trucs, mais il va falloir fixer plus. Oh. Oh, les dégâts de l'armure. Ça va. Je pense qu'on va prendre 1, 2, 3, 4. Ok. On va garder 4 morceaux de fourmi noire sur nous pour réparer le bouclier. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois quand on n'avait plus de bouclier ici? Ça s'est légèrement mal passé. Parce qu'en armure légère moyenne sans bouclier, non. Non, non. C'est pas mon kiff. D'accord, c'est du feuillage fantôme apparemment. Est-ce que je peux passer comme ça? Juste, hein. Il me faut les... Il me faut à tout prix les... Les bottes quand même, hein, pour aller plus vite. Ah oui, c'est vrai. Putain, j'avais oublié ce passage-là. Il y a ça aussi, hein. Faudrait aller dedans. On n'est pas allé dedans. Ouais, faut que je passe d'abord là-dedans. La boîte là. Ah putain, elles vont m'aggro, hein. On est d'accord. Ouais, non, mais elles vont m'aggro comme la dernière fois, c'est saloperie. Allez, go. Thank you.
complètement débile. Pas le poison. Putain. Bon. Combien de 62? On a perdu quelques-unes et on en a combattu une, on n'avait pas besoin de la combattre à l'aggro de... Je sais pas d'où. C'est chiant ça. On voit un peu l'état de l'équipement, ça va. Le bouclier va bientôt casser par contre, on a bien fait... Très bien fait de prendre... Ah putain, le aggro, ça l'a fait chier. Est-ce qu'on peut les sonner, les abeilles ? Oh la vache ! Oh la vache. Oh la vie extra nous a tellement sauvés. La pute. Chier quoi. Un peu putain. Ah, ça a pris cher. Ça a pris cher. Le bouclier, on va le réparer maintenant.
Je suis en train de me dire, on aurait dû prendre tous les morceaux, en fait. On aurait dû prendre tous les morceaux de fourmis, quoi. Incroyable. Casse-purne. Sérieux? Non, casse-toi. Il nous faudrait... J'aurais dû faire un escalier de l'autre côté. Très bien, très bien. On va prendre encore du soin et tout, ça va. Parfait. Donc on voulait voir ce qu'il y avait là-dedans. Qu'est-ce qu'il me reste là en soin? J'ai encore un truc pour plus de vie. C'est à peu près tout. Après, j'ai mes soins normaux, quoi. Ok, on a une dent. Oh putain, t'es sérieux? Dis-moi qu'on peut remonter. Ah, merci. Faire vite parce que je sais pas s'il y en a d'autres qui viennent sur le chemin là qu'on a libéré. Très bien, ça, ça. Ok. Okay. Je pense que on avait un chewing-gum, non? Qu'on peut creuser ou je sais pas quoi là. Celui-là, non. Je pense que c'est peut-être juste pour nous indiquer, nous dire genre « Ah, regardez, il y a un truc là, allez vérifier. » Ben voilà. Je pense que c'est juste ça. Bon, allez, on y va. On avance. Nickel. On est toujours buffé avec notre boisson et tout. On a de la vie, c'est bien. Ça c'était quoi? Ça c'est H3. La H niveau 3, on sait pas la faire. La seule chose qu'on a vu de nouveau comme outil, c'est la pelle niveau 2. Et la pelle niveau 2, je pense qu'on en aura besoin. Pour ici. Il y a des chewing-gums en fait à récupérer. Il faut la pelle niveau 2. Mais pour ça, il faut des... Putain, il est bloqué en bas. Ne touche pas. N'aggro pas surtout. Mais du coup, il faut des parties de fourmis noires. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la pomme. Tant qu'on y est, vu qu'on est là. Maintenant que. On arrive à gérer le truc. D'emplacements mais qui sont pris mais bon. Je sais plus du tout où était le truc. Je crois que c'est juste en dessous.
Est-ce que ça vaut le coup? J'entends de la science. Ah, bah oui, mais c'est là, je suis bête. Juste là. Attaché tyrolienne. Yes, 12 de soie, c'est bien ça. Putain, pour une fois que j'ai une mémoire. Mais je comprends pas A et E, en fait. Genre, c'est pour choisir laquelle, sur laquelle je vais. Mais de toute façon, j'en ai qu'une. Comme ça. Attaché. Déjà connecté. Ok. Construire. Hop là, ça marche. Nickel. Je vais juste... putain, non, mais laisse tomber, quoi. Peut-être faudrait attendre la nuit pour qu'elle dorme, je pense. Je crois pas qu'il y ait grand... autre chose à faire ici. Mais là, je... ouais, il y a la... le pot de miel, il y a la canette, Il y a de la science dedans. Je l'ai entendu. Le pot de miel, j'en sais strictement rien. On va voir. On va essayer de voir. Je sais pas, pour l'instant, je vois pas grand-chose. On est là pour explorer, on n'est pas vraiment là pour... pour combattre et tout ça. Donc on avance. Donc on va voir là-bas là. Ah ouais, il doit avoir un... ouais. Il en a parlé là des détritus et tout ça. Putain, j'espère qu'on va pas crever. Il y a rien qui vaille. J'aime pas ce qu'on fait. Check it out! I bet there's treasure there! Oh putain, il fait chaud. Quoi? Let's see what's around here. C'est quoi ça? Location marked on the map. Ça fait... il va pas avoir un verre des sables quand même. Oh, putain, il y a un truc, c'est quoi ce machin? Fourmilion. Mais t'es... attends, c'était où mon marqueur? C'était là. Mais il y a vraiment un truc dans le sable, quoi. Ouais, mais attends, moi j'ai l'avantage de ça. Oh! Attends, tu me craches des trucs ou pas? Est-ce qu'un fourmilion... ça fait partie de la famille des fourmis? Hé hé. Ce serait bien qu'on fasse des critiques automatiques, genre quand ils sont sonnés. Je pense qu'on va arriver à le tuer, hein. Quasiment certain qu'on le tue. Hein. Putain, on est on est vraiment top. Genre le build ranger là. C'est... je suis content que ça soit efficace en fait. J'avais trop peur que ça soit pas du tout utile, que ça marche pas. Genre que ça soit bien pour à la limite la coop. Ça serait bien de pouvoir l'empoisonner. Mais je me suis dit, ouais, j'avais peur que ça soit bien pour genre seulement la coop ou alors genre pour pull les monstres et puis basta quoi. Pas que ça soit le un dégât en fait. Mais ouais, on peut faire un ranger tranquille. Ok.
Ok. Est-ce que je l'aime bien cette arbalète? Super bien. Pour le chapeau là qu'on a mis, au final je sais pas si c'est vraiment très utile. Peut-être qu'à la limite le full set de l'abeille c'est peut-être mieux. Je sais pas trop. Au moins le full set de l'abeille fonctionnerait là avec l'arbalète. Bon là ça nous aiderait pas mais... Vu que le truc bouge pas. C'est bien parce qu'on va récupérer des ingrédients là. Nickel. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Ça. Cha-cha. Ah, c'est pas les trucs qui font et qui sont épicés du coup ça. Bon après on peut se le faire le lot four million. Hein. Quoique, honnêtement, j'ai pas envie. Can I have a look around? C'est un cookie, ça. Est-ce qu'on n'a pas chaud ici? Ok. Je vais aller voir ce qui brillait là. On va mettre ça. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Voilà, putain. Ok, donc ça détecte autour de leur trou en fait. Niveau 3, marbre suprême. Attends, par contre, je vais. Marking a location. Je vais faire ça. Quel con. What the fuck?
Pourquoi le corps il est passé? Oh la vache, où est-ce qu'on va nous? Bon, là il y a un mixeur, je voudrais bien le marquer sur la carte déjà. Mixeur, très bien. Avant la mise à jour, il y avait des trucs qui se déclenchaient pas, ça c'est sûr et certain. Ça, très bien. J'ai rien à manger. Ouais, j'ai que du soin en fait. Il y a un truc sous terre. Ok, là il y a des cactus et tout ça, c'est pas mal. C'est légèrement stressant cet endroit, je sais pas pourquoi. Having a little peep. Faut faire un pont, j'imagine, parce que là il y a que dalle pour y aller. Bon, par contre, je crois que je vais aller vers les plantes. On va voir ce qu'il y a. Ah, ça attaque tout ce qu'il y a sur le sol. Mais attends, mais c'est très mort en fait. Vous croyez qu'ils me... ils sentent? Vous croyez qu'ils sentent la vibration quand je marche par terre? Oh non. What the fuck? Wow. Oh, ils l'ont défoncé. Rare pour laisser en fait.
Est-ce qu'on peut les défoncer, nous, facilement? Parce que ils ont pas l'air de sauter, en fait. I've never been so happy to see a leaky hose. Science, you are off the hook. Alors, est-ce que dans l'eau on craint quelque chose? J'ai pas envie d'être bloqué. Veuillez garder l'œil ouvert, ils peuvent être n'importe où. Les vaisseaux parfaits ou stocker les objets précieux qu'ils dommagent. Okay. C'est de l'eau croupie ça? Là, je suis pissé. Ok. Ça, c'est ordinaire, ben, putain. Poncho. Santé. On aurait pu avoir une autre... une autre mutation. Donc là, j'imagine qu'il y a des plantes qui poussent, du coup. Donc, en théorie, on peut plus ou moins faire un camp ici, quoi. On a des tiges. On a des feuilles. Ouais, on a un peu tout ce qu'on veut, là. Donc, en théorie, on peut faire un camp ici, si on veut. Par contre, il faut que je boive. Ouais, je vais être dans la merde. Mais attends, il y a des gouttes ici. Oh la vache, on est plein. Ça, c'est un problème. Ils n'ont pas l'air de nous détecter sur toute la zone non plus. Hein. Pas exagéré. Il y a encore des gouttes. Mais on est d'accord que ça descend beaucoup plus vite. Hein. La soif, non? Vu qu'il fait chaud. Je sais pas. Ah merde, il y a un truc. Bon, on va partir, je crois. Bah, attendez, comment on part? Comment on fait pour partir? Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont tué la loup. C'est déjà ça. Take that, vampires! Ah, c'est compliqué hein, cet endroit. Surtout solo en fait. Très très compliqué de jouer comme ça. Là j'ai de tout pour faire une base, un coin pour dormir. 23h. À la limite, on peut faire ça. Vas-y, on va faire un coin pour dormir. Je vais déposer... C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a une loup qui vit ici.
C'est un peu la merde, mais bon, elle s'est fait défoncer, donc ça va. Bon, on va pas rester, hein. Oula, c'est quoi ça? Ah ouais, non, non, c'est parce qu'il fait chaud, en fait. Ah, mais c'est bien ça, hein. On est dans la merde. Eh, mon humi... Non, 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 on remonte pas. J'ai le droit de remonter. On est dans la merde, en fait. En dessous de 4 millions. Résistance énorme. Armure moyenne. Protection contre la grillade. D'accord, donc faut tuer du machin. Poncho. Bon, il faut le 7. D'accord. Putain, ça fait chier. Ça fait quoi le grimant? Ça tue pas quand même? Si? Oh, fait chier. Me dis pas que ça tue. Y'a pas de nom. Si, y'a de nom. Hop là, parfait. Je sais pas quoi faire. Faut qu'on se casse. On est dans un endroit tout pourri. Ou alors, on essaye de tuer des... On peut se mettre à l'ombre. Ouais, on peut se mettre à l'ombre. Ou alors, on essaye de tuer des fourmilieux avant de partir. Honnêtement, ça serait vachement bien. De tuer des fourmis avant de partir, comme ça on peut peut-être faire des parties de l'équipement. Mais ouais, va les tuer en pleine chaleur. J'ai pas vraiment de nourriture. Juste ça. Ils ont pas l'air super dangereux. Enfin, j'imagine qu'ils font très mal, comme d'habitude, hein, mais c'est pas trop dangereux. Ça doit être la... Bon, on va devoir partir. Mais je sais pas par où passer. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est bloqué en fait. Ça me fait chier. Bon, j'ai décidé qu'on aille... on va se faire violence. De toute façon, c'est où on combat ou on crève ici. Je vois qu'il y a des petits endroits où on pourrait se mettre à l'abri. Je voudrais bien récupérer les parties de fourmis. Genre si je reste là, je vais mourir. Ah la putain de cactus! J'ai pas fait attention. En train de tuer tout le monde. I'm not picky. On est tellement pas équipé pour ici en fait. Tu as soif plus souvent. Même là? Ouais.
peut équiper ça et prendre de l'eau. Voilà. D'accord, ça fait des dégâts. Ça marche. Fais pas attention à moi. Ok. Ok. Ça, c'est bien, ça. Oh, c'est là! D'accord, ok, ok. On a l'ouverture. Elle est là. Ça marche. Donc, peut-être dans cette direction. Je sais pas, genre ligne droite, ligne droite. Ok, là-bas, on se casse. Oh, chemin. De merde. C'est bon la grillade? Oh la vache! Bien joué. Ok, alors la bonne chose c'est qu'on a trouvé une des entrées de la... de la truc. Alors, la mauvaise chose c'est que... on a le debuff ici? Non, on est juste malade, ça va. On a de l'eau croupie sur nous, c'est un peu de la merde mais bon. Alors, la bonne chose, c'est que nous, on est un ranger. Donc, honnêtement, si on peut se faire les fourmilions, ce serait vraiment, vraiment intéressant. Comme ça, on peut faire les équipements plus facilement. Pourquoi ça brille de temps en temps? Ça, je... on est où? Ah, là, c'est le gaz. Ah, peut-être après le gaz. Oh la vache. Genre après le gaz, il y aurait peut-être la colonie de fourmis. On peut pas passer ça. Non, si, si on peut. Est-ce qu'on peut jeter le contenu de la gourde? Oh. D'accord. Genre la musique qui coupe comme ça. Est-ce qu'on peut jeter le contenu de la gourde? Jeter, consommer, équiper. Lâcher la pile, lâcher des trucs. Non, on peut pas. Ah, ça c'est con ça. Je vais être obligé de le boire en fait. Je sais pas ce que ça fait si on boit deux fois. Parce que je sais qu'on est malade. Ah, on pourrait aller au château, mais il fait trop chaud, on n'est pas prêt. Ok, on pourrait se jeter là et arriver au château. Quoique, je sais pas si je peux arriver là. Alors là. Let's see what's around here. Oh là là, quel bordel. Fourmis noires. Ok, gaz. Intéressant.
voir si on regarde la carte. Ici. Attends, t'es à côté de la maison, quoi. Par contre, le problème, c'est que je peux pas passer par là, moi. Il y a le gaz. Je suis pas le masque à gaz. Oh là là! Bordel. Les fourmis noires, on peut pas aller dans le trou, parce que sinon, on va se taper les guerrières, là, sûrement. Bon, je peux pas passer par là. Faut que je passe par ce côté, là-bas. Mais on, ça va, on peut s'en tirer. On devrait pas avoir de problème. J'ai juste pas à manger. J'ai plus rien. Ouais, faut juste partir, quoi. Feels like I'm being cooked. I can't take this heat. Bon, on se casse d'ici. On se casse, on rentre. Oula, quoi ce lag. Se casse, on va aller au coffre parce que je sais plus ce qu'on a mis de côté. That was refreshing. Je sais plus vraiment ce qu'on a mis de côté, donc c'est ce qu'on va faire. Et on va tracer à la maison. Je m'en fous. Enfin, on n'a pas besoin de faire à manger. On va tenir. Alors ça, ça, ça. Hop. Ça, qu'est-ce qu'on a donné ? Les pierres. Là, on a une gourde remplie d'eau de merde. Peut-être pas la prendre. On en a d'autres à la maison, de toute façon les gourdes c'est facile à faire. Le pollen, ça c'est quoi? C'est fragile. Allez, on rentre. Ben voilà. Je crois que ça va conclure notre aventure, honnêtement, pour cet épisode. Du fourmi noir. Ah, putain d'abeille. Ce qui est emmerdant, c'est qu'à chaque fois, on est plein. Bon, on avance. On a combien de parties de fourmis? On a 13 et une tête. Bon, ça va. On peut réparer notre bouclier 3 fois. Et là, il est 9. Donc, ça va. Merde, comment... ce que je pensais. Mais ça respire fort, cette merde. T-
Putain, comme elle s'est fait défoncer par les fourmilions, l'autre. La vache. Ils l'ont stun et tout, quoi. C'est fou. Alors, on va passer par la jungle. Ça dort. Ou pas. Merde. Juste me mettre ça au cas où si on se fait toucher. Non mais ça va en fait, c'est pas. J'en fais tout un bordel en fait, mais c'est pas trop la merde, ça va, ça passe. C'est juste que c'est un peu loin et puis on n'a pas genre. Et merde, en endurance. Non, mais... Non, non. Je ne rattrape pas. J'en fais toute une histoire, mais c'est pas trop difficile. Ça va. C'est juste, comme j'ai dit, on est loin de tout, en fait. On est loin de chez nous, du coup, on peut pas... Faudrait peut-être que j'en fasse un troisième. Je sais pas. On peut pas réparer tout ce qu'on veut. Voilà quoi. Hey there, buddy. Poing. Nickel. On va ranger le truc extra qu'on a, ça, ça, ça. Ah oui, il y a ça à analyser. Qu'est-ce qu'on a d'autre à analyser? Les bonbons, on l'a fait. On n'a pas fait ça parce que j'étais un peu en panique. J'ai cru que je l'avais fait, donc apparemment non. J'ai pas rangé un truc qu'on n'a pas analysé quand même. Je m'étonnerais. Les coffres deviennent de plus en plus vides. Mais en fait, c'est pas parce qu'on utilise vraiment beaucoup de choses, c'est juste parce qu'on augmente. Du coup, genre les stacks, ils sont plus gros. Donc c'est ça ce qui se passe. Je dois juste des flèches. Tastes good. Mais ça m'abîme mon armure de faire ça. C'est un peu con. J'aurais dû prendre l'arbalète. Tout simplement. On va aller analyser ça. Et je crois que je vais faire une pause. Moi, je vais m'arrêter là. Ce sera notre épisode. Il est un peu plus court que d'habitude. Mais honnêtement, là, on a une bonne dose d'aventure. Et je pense que on va peut-être partir autre part, honnêtement, parce que je crois que c'est un peu trop difficile pour nous. H termite. Je pense que c'est un peu trop difficile pour nous. Après honnêtement, comme j'ai dit, de loin, on peut les tuer, les fourmilions. C'est pas vraiment très compliqué. Hein. Faut juste beaucoup. Plus beaucoup de... Ouais, beaucoup de flèches, quoi. Puis après, on les récupère et tout, donc c'est pas très grave. Mais on peut peut-être aller enfin, se balader autre part. Mais ouais, je suis content. Au moins, ça marche bien. On va regarder ce qu'on a débloqué. On va faire sécher l'autre. On va regarder ce qu'on a débloqué. La hache là. La hache termite. Ça a l'air intéressant. J'ai récupéré quoi? Ah oui, la viande d'asticot séchée. J'en ai jamais fait.
Voilà, très bien. Alors, vas-y, fais voir. Alors, c'est la coupe Hneo 3. Ouais, stylé. Donc, il faut deux mandibules de termite, des plumes, ça va, et les saletés résistantes. Donc, on sait faire la hache niveau 3 maintenant. Pas mal. Donc la pelle, il faut qu'on fasse des fourmis encore une fois pour les mandibules. Donc il faut trouver cette fourmilière noire. Mais bon, après on peut faire un peu autre chose. On peut se balader autre part. Donc je vais farmer un peu, peut-être mettre de l'ordre dans l'équipement et tout ça. Et puis après, je me déciderai si on fait... Si on continue dans cette direction ou pas. C'est ça là qu'il me faut... Ce truc là, j'ai pas, on est d'accord que j'ai pas ce truc. Nous on a la cuisinière, on a le broyeur, le rouet. Poste de forge. Qui nous sert à rien pour le moment. On va s'arrêter là. Ce sera tout pour cet épisode. Un peu plus court que d'habitude. Mais voilà, on est allé loin. C'était fun. Je pense qu'on va continuer à utiliser le tir en fait. L'arc et l'arbalète. Et la dague. Je voudrais augmenter les mutations en fait, tout simplement. Genre œil de lynx. Bon, les fourmis, il va falloir les tuer de toute façon. Mais je voudrais continuer à augmenter l'œil de lynx en fait. C'est vachement utile. Et puis, on a bien augmenté aussi avec les dents. On a 3000. Ah, on a 3000 de science. On va pouvoir faire un truc. Je pense. Having a little peep. On va pouvoir faire un truc avec la science. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.